pense que c'est les couleurs du Congo que nous avons honorées. Oui. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est un parcours très difficile. Et au début, personne ne croit en vous. Mais après, c'est les résultats qui parlent à votre place. Donc, merci beaucoup à vous tous qui avez cru en moi et qui croyez en moi. Et merci beaucoup pour l'accueil chaleureux. L'importance de cette gratification, c'est pour honorer les entrepreneurs. Vous savez, les entrepreneurs parcourent des moments très difficiles au début, vous savez. On dit toujours que c'est très dur au début. Aujourd'hui est très dur quand vous lancez en entrepreneuriat. Demain est encore plus dur. Mais après, demain est un jour heureux. Donc, mais malheureusement, beaucoup de gens meurent demain soir. Et donc, vous savez, pour arriver à un certain niveau, il faut beaucoup de sacrifices, il faut beaucoup de travail. Et aujourd'hui, donc, nous sommes là, c'est pour donner aussi un message d'encouragement à ceux-là qui pensent que c'est impossible, pour leur dire que c'est possible. Alors aujourd'hui, vous avez été gratifié justement à qui dédiez-vous ce diplôme. Et dites-nous aujourd'hui, quels sont vos sentiments? Ben, je dédie ce award, ce trophée aux Congolais, hein, au Congo, parce que c'est le Congo qui m'a tout donné. Et sans le Congo, je ne serais pas là. Et je le dédie à Dieu, parce que c'est Dieu qui nous donne la vie, la force de réaliser tout ce que nous faisons aujourd'hui. Et donc aux entrepreneurs congolais, bon courage. Et surtout à ceux-là qui persévèrent, félicitations à ceux-là. C'est notre coach qui vient d'arriver d'un long voyage d'affaires et de reconnaissance parce qu'on a reconnu comme meilleur entrepreneur d'Afrique. Donc je pense que c'est encourageant de pouvoir avoir une sœur, une compatriote congolaise, de pouvoir recevoir ce genre de prix. Et ça a été un plaisir pour nous parce qu'elle est aussi directrice de Academy Winner, World Winner. Nous sommes très ravis et très enchantés de la recevoir et nous pensons qu'elle a beaucoup apporté. C'est une reconnaissance parce que c'est pas tout le temps qu'on voit ce genre d'activité, ce genre de reconnaissance. Parce que c'est une Congolaise et elle a reçu un prix de quand même de meilleur entrepreneur de l'Afrique. Hein. C'est même pas du Congo, mais de l'Afrique. Et c'est une Congolaise. Et moi, je pense que nous devons vraiment soutenir ce genre de femmes surtout. Et qu'est-ce que vous dites à la coach aujourd'hui? Ben, je dis à la coach bravo, félicitations, qu'elle continue parce que c'est une femme battante qui ne dort pas, qui aime son pays et je pense qu'elle ira encore de l'avant et elle ne fait que commencer. Vous savez, on n'est pas premier par hasard et aujourd'hui le travail mieux fait mérite en fin de compte une récompense. Aujourd'hui le prix qui a été remis à Mélodie, au coach Mélodie Bouéa, nous dirons pour nous c'est un honneur. Nous savons que c'est une dame très battante qui a fait ses preuves, que ce soit sur le plan national et international. Recevoir ce prix, c'est vrai, au niveau international, au moment où au pays, c'est vrai, nous allons rejoindre le proverbe qui dit « ni ne professe ce soir », mais pour nous, c'est encore un double honneur. Comme on le dit, un but marqué à l'étranger, je pense bien pour ceux qui connaissent le sport, vaut plus. Et donc, nous ne pouvons qu'être heureux et c'est pour l'honneur de toute la nation congolaise. Alors, quelle est la connotation aujourd'hui qu'on peut donner à ce certificat, à cette reconnaissance pour une Congolaise à l'étranger? Oui, mais c'est un honneur hein, parce qu'à côté, il y a eu beaucoup de récipiendaires. Par exemple, l'ambassadeur de la RDC en France a été également primé. Et effectivement, aussi, l'ambassadeur, si ma mémoire ne me trompe pas, de la Côte d'Ivoire. Donc, pour nous, ben, au pays, c'est un véritable honneur. Vous savez,
Ceux qui ont fait la grandeur de l'Amérique, ce sont les Américains. Et pour nous, nous osons croire que ce prix vient apporter une valeur ajoutée par rapport, pourquoi pas, au rayonnement du Congo sur le plan international. Parce que vous savez, quand on parle de l'Afrique, on parle souvent des guerres, de la famine, de la pauvreté, alors qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se réalisent, je dirais, d'une manière interne qu'on n'en parle pas. Voir une Congolaise être primée au Sénat, par exemple, de Paris, pour nous, c'est un honneur. Il a fallu beaucoup de courage, hein. Je me souviens encore, les débuts quand j'ai commencé à parler du coaching sur internet, on me disait, mais c'est quoi? Tu es sûr que tu vas gagner l'argent avec? On me posait beaucoup de questions, mais aujourd'hui, bon, j'ai fait le tour du monde et tout ça c'est grâce au coaching. Et tout ça c'est parce qu'un jour j'avais rencontré un coach. Et si j'ai pu rencontrer un coach parce que j'étais allé quelque part, j'ai pris mes deux pieds et j'ai fait le déplacement. Donc 80% du succès, c'est le fait de se montrer d'abord, d'aller à ce rendez-vous, d'aller à cette réunion, d'aller à cette conférence, d'aller, c'est d'abord ça. Si vous dites je ne vais pas, je reste à la maison, je suis la télé, je fais ce que je veux, ben vous ne savez pas qui vous allez rencontrer quelque part. C'est d'aller, de payer ce ticket, de payer ce billet d'avion, c'est d'abord aller. Le reste, on ne sait pas. Et donc c'est parce que j'étais allée quelque part, et je suis allée à cette conférence et j'ai rencontré un coach en 2014. Et tout est parti de là. J'ai été inspirée et il a cru en moi. Il a dit, tu peux le faire. Et vous savez, et depuis là, c'est vrai, hein, les gens disent qu'ils sont coachs. Moi, j'ai des coachs. Hein. Je ne suis pas coach qui sort de nulle part. Je ne suis pas autodidacte, non. J'ai deux coachs. Et il y a l'un de mes coachs est même venu au Congo ici l'année passée. C'était ça, non? L'année passée. Certains parmi vous l'ont rencontré, un multimillionnaire. Et quand je l'avais rencontré la première fois, je l'avais dit, un jour, je te ferai venir au Congo. Il dit, mais le Congo, c'est où? Il dit, le Congo, c'est où? J'ai dit, mais le Congo, c'est quelque part. Tu viens, non? Il dit, non. Est-ce qu'il y a la sécurité là-bas? Je dis, oh, ne t'en fais pas. On trouvera les gardes du corps, tu viendras. Et il est venu. Et d'ailleurs, il a été très, très fier. J'ai parlé avec lui le lendemain du trophée. Il a dit, Mélodie, en Afrique, tu fais ma fierté. Il n'y a pas d'eux. Tu as été l'une de mes meilleures étudiantes en Afrique. Je ne connaissais même pas où était le Congo, mais j'ai eu la chance d'arriver jusqu'au Congo parce que tu avais un rêve. Et moi, je vous encourage à avoir un rêve. Si vous avez un rêve, vous avez un talent, tout est possible. Et la bonne nouvelle, c'est que quoi? On est tous nés nus, mais pas vides. C'est-à-dire, chacun de nous a un talent. Mais le plus grand travail à faire, c'est la découverte du talent. Ça, c'est le plus difficile. C'est facile de dire, oui, j'ai un talent, mais lequel? C'est facile de dire, je pense que j'ai un talent. Est-ce que vous êtes sûr que c'est ça le talent dans lequel vous allez émerger? Parce qu'il y en a qui ont 3, 4, 5 talents, mais quelquefois c'est juste un talent sur lequel vous allez vous appuyer qui va vous rendre international. Maintenant, c'est lequel? Donc, 90% de votre temps, vous devez travailler à la découverte de votre talent. Ce talent-là, unique, ce qui fait votre particularité. Vous avez quelque chose d'unique. Moi, je n'ai pas ça. Le coach n'en a pas. Vous l'avez. Mais si vous êtes ici, si vous êtes inconnu, parce que vous n'avez pas encore découvert ce talent. Et nous, à World Union Academy, c'est notre travail. On vous emmène à la découverte de soi, à la découverte de votre talent.